Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes, l'Europe, le Québec à la fois. Je vous remercie d'être à ce grand rendez-vous, en fait ce premier rendez-vous. Il s'agit aujourd'hui de gens que je veux vous présenter et non les moindres, ce sont des stagiaires de la pratique de la médecine holographique. La médecine holographique, premièrement, je me nomme Roxane Goutsal-Godbout, donc je suis l'inventeur de la méthode de la médecine holographique. Et donc, la médecine holographique, qu'est-ce que c'est finalement? En fait, ce sont des ondes scalaires que tout être humain produise dans leur corps. Et une fois que ces ondes scalaires, une fois que l'on comprend son fonctionnement et qu'on est capable justement d'orienter l'onde, les ondes scalaires avec la méthode de la médecine holographique, on est capable, donc l'humain 3.0, celui qui a 7 sens et plus, il est capable de cibler une personne qui a une blessure, donc une problématique de santé de 2 ans et plus ou de 2 ans et moins. Donc, à partir de ce moment-là, les stagiaires que je vais vous présenter ce soir sont des personnes que je trouve absolument exceptionnelles. Pourquoi? Bien, vous le verrez bien, vous allez les découvrir un à une dans pas très longtemps, parce que ce sont des personnes qui ont suivi un cursus assez particulier. Premièrement, elles se sont inscrites à l'école Aquarelle Sciences et elles ont suivi les ateliers d'aquarelle quantique, le niveau 1, 2, 3. Vous irez voir par la suite, à la toute fin, je vais donner l'adresse de mon site web et d'autres informations. Vous allez voir de quoi il s'agit. Il y a des brèves descriptions de ce cursus. Par la suite, et c'est là que ça se corse, pourquoi je trouve que ce sont vraiment des personnes ultra spéciales et extraordinaires pour l'humanité, parce que l'humanité en a beaucoup besoin en ce moment, c'est qu'elles ont, par la suite, elles ont passé un test éther-matière. C'est-à-dire que on le sait très bien qu'on a des effets de la pensée sur la matière. Mais dans ce cas-ci, c'est quels sont les effets de notre esprit sur la matière. Et quand je parle de quels sont les effets de notre esprit sur la matière, je parle surtout des effets de notre esprit en termes d'ondes scalaires qui sont dirigées en termes d'attention et d'intention sur une blessure précise sur un corps humain. Donc, à partir de ce moment, les stagiaires que je vais vous présenter, elles ont passé ce test éther-matière, c'est-à-dire qu'elles sont capables de reconstruire la matière du corps. Alors, vous avez bien compris, je le répète, ces personnes que je vais vous présenter sont capables, elles ont l'habileté, puisqu'elles ont passé le test éther-matière haut la main, de reconstruire les tissus du corps. Le corps fonctionne normalement en santé, en symétrie. Tout est résonance. Donc, l'organe, par exemple, un organe comme un rein est parfait. Hein? Il résonne, il est en santé, donc il est en symétrie. Par contre, dès qu'il y a un malfonctionnement, toujours d'un autre organe ou par exemple le rein, on peut parler justement d'une notion d'asymétrie. Donc, il y a une blessure. Donc, tout ce qui est asymétrique, très souvent, on va parler d'inflammation. On peut parler aussi, en termes d'asymétrie, des opérations qui se sont parfois mal soldées, bien soldées, bon, peu importe. Chaque personne a son histoire. Il y a beaucoup de cas de la médecine holographique que l'on a accueilli, en fait, depuis janvier 2021, qui ont réussi à retrouver une santé, en fait, cette santé qu'elles avaient perdue depuis, par certaines personnes, 15-20 ans.
On ne parle pas ici, il faut faire bien attention, de guérison. Hein? Là, on va aller à cheval sur les termes, je le spécifie, parce qu'on est porté à croire que c'est une guérison ou c'est des miracles. Ce n'est pas le cas. Ce sont des ondes scalaires que chacune des personnes ici que je vais vous présenter produisent et savent diriger pour reconstruire des tissus, donc construire et déconstruire. Alors, en fait, c'est déconstruire pour reconstruire la matière. Alors, c'est vraiment, ce sont des soins, ce sont des traitements, mais ici, on ne parle pas de guérison puisqu'il y a un protocole, il y a une démarche qui est associée sur les phases de, qu'on appelle trois phases, de décristallisation de la matière, une fois qu'il y a une blessure, donc on la décristallise. Et ça, en fait, je vais vous en reparler à la toute fin. Et simplement le garder en mémoire. Donc, il y a la phase de décristallisation. Par la suite, il y a la phase plasmique, où est-ce que la matière, elle est entre deux, entre l'éther et la matière, c'est-à-dire l'éther, l'énergie, et la reconstruction de la matière. Donc, c'est-à-dire le corps revient en symétrie. Au début, la déconstruction, le corps ici est en asymétrie, la phase plasmique est entre les deux, et la phase de reconstruction, ici la résonance, l'organe revient plutôt à sa forme, le plus près de sa forme originale. Donc, la personne cesse sa souffrance. Comme j'avais déjà dit dans d'autres vidéos qu'on retrouve, surtout ma dernière plus grande vidéo, si vous voulez avoir plus de détails sur le mode de fonctionnement, est celle du 20 novembre 2021. Elle va être sur ma chaîne, sur mon site web. Elle est également sur la chaîne de Éveil-Homme de Nicolas Turban, auquel, en fait, nous avons le plaisir d'être accueillis aujourd'hui. Ce n'est quand même pas rien parce que c'est à partir de cet endroit-là que toute cette aventure a demeuré et s'est développée depuis janvier 2021. Donc, voilà. Sans plus tarder, je vais bien vous présenter ces personnes qui, pourquoi elles sont là. Elles sont là parce que une fois qu'elles ont passé leur test éther-matière, elles se sont inscrites au programme spécialisé des ondes scalaires. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est aussi un cursus. C'est comme si les stagiaires qui sont là, elles sont en train de, justement, de se familiariser avec des cas cliniques que les personnes, en fait, ici, ont déjà commencé à étayer les résultats sur une base de données. Ce que ça veut dire également, c'est de la recherche. Alors, nous faisons de la recherche. Ce sont tous des jeunes chercheurs qui, à travers le cursus, apprennent à appliquer les effets de la pensée sur la matière, mais dans un cadre de recherche, dans un cadre scientifique de la philosophie, hein, de la science post-matérialiste. Évidemment, ce sont peut-être des grands mots où est-ce que j'ai très peu de temps pour vous expliquer le détail, vraiment de quoi il s'agit, mais tous ces détails se retrouvent dans un autre endroit, là, ceux que je vais mentionner et j'ai déjà mentionné. Donc, il y aura la possibilité pour vous d'ajouter, d'approfondir votre réflexion. Alors, il est bien important de comprendre également que la médecine holographique, c'est que la matière n'est que de l'énergie. Dans l'atome, il y a 99,99999% exponentiel que d'énergie. Alors, nous considérons par la méthode de la médecine holographique que tout objet est un hologramme. Donc, la seule distinction qu'il y a entre une chaise, une table et nous, les êtres humains, donc la conscience organique versus inorganique, c'est finalement le taux de spin par seconde qui est beaucoup plus bas quand il s'agit de la matière et beaucoup plus élevé quand il s'agit d'une conscience organique, donc une conscience qui est un peu plus installée. Donc, nous partons des principes que c'est vraiment tout est holographie, tout est énergie et que chaque être humain possède et produit des ondes scalaires. Il faut juste apprendre à comment les canaliser. Pas les canaliser, non, j'aime pas. C'est pas de la médiumté, c'est ni du channeling ici, OK? C'est vraiment comment apprendre à les saisir, à les processer et à les diriger sur des cibles pour régler des problématiques santé. Encore une fois, ce ne sont pas des guérisons. Encore une fois, ce n'est que de la reconstruction ou de la déconstruction, dans certains cas bien spécifiques, de la matière, considérant comme postulat que toute forme de matière est un hologramme. Bon, maintenant, j'ai bien dit, j'ai bien mis la table. Il faut toujours garder ça en tête quand chacun des stagiaires vont s'exprimer. Bon, maintenant, les stagiaires, en fait, qui ils sont?
Hein? Ce sont, comme je disais, des gens vraiment exceptionnels qui participent à faire cesser la souffrance sur la planète Terre. La souffrance n'a plus lieu en 2022 et déjà, elle n'est plus supposée avoir lieu depuis bien longtemps. Mais vu qu'on est dans un momentum également de l'humanité à changer nos pratiques, à changer nos records, ces stagiaires-là, en fait, ont réussi beaucoup d'étapes et sont dans le cursus pour devenir, si vous voulez bien, des cliniciens praticiens de la médecine holographique. Le stage, c'est très important. Je vous explique ce qu'ils font, ce qu'elles font. Hein, c'est que depuis le cursus, ces personnes ont déjà commencé à colliger des données et à reconstruire la matière auprès des gens qu'elles connaissent dans leur environnement, de leur vie, des gens qui leur sont recommandés, leur environnement immédiat. Ça, c'est un stage qu'on appelle plutôt à l'interne. Donc, c'est un milieu assez protégé, etc. Maintenant, elles sont rendues, toutes ces personnes, à faire un stage à l'externe. Donc, pour faire appel à vous, qui vous voudrez, si vous le voulez bien, aider l'avancement de la production de savoir, de la connaissance de la méthode de la médecine holographique. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, vous allez vous inscrire et nous écrire, je vais vous donner les informations tout à l'heure, pour justement écouter une de ces personnes et dire, mais moi, je résonne avec cette personne. J'ai le goût de travailler avec cette personne parce qu'il y a une résonance, il y a des affinités. Bon, évidemment, il faut que ça soit agréable. Et puis, vous écoutez chacune des personnes et allez-y avec votre cœur. C'est mon premier conseil, la résonance du cœur, qui vibre à 5000 Hz et le cerveau est seulement à 1000 Hz. Alors, allez-y avec votre intuition, en d'autres termes, la résonance du cœur, pour vous diriger vers une de ces personnes. Donc, voilà, le stage à l'interne est fait. Le stage à l'externe est à se construire, mais grâce à votre collaboration. Et ces personnes ont besoin de vous pour justement colliger des données, terminer et parfaire leur stage et après aller dans la nature et devenir très autonome et reconstruire la matière auprès des gens qui souffrent énormément et de faire cesser ce fléau planétaire. Enfin, toutes et tous à leur manière. Donc, c'est ma proposition d'aujourd'hui. Et je crois que sans plus tarder, je pourrais déjà commencer avec une personne que j'aimerais beaucoup que vous appreniez à connaître. Elle s'appelle Virginie Skires. Pardonne-moi, Virginie, si je n'ai pas tout bien prononcé ton nom de famille. Comment vas-tu? Bien. C'est très bien, merci Roxane. Alors, voilà. Oui. Par où commencer, hein, n'est-ce pas? Oui. Ben donc... Voilà, comme l'a dit Roxane, je m'appelle Virginie, je crois que c'est un bon début. Je suis maman de deux enfants de 6 et 15 ans et je vis en Belgique, donc je suis la petite belge du groupe. Hein. Oui. Donc voilà, je suis logopède de formation, ce qu'on appelle orthophoniste en France. Et ben voilà, mon parcours, c'est que j'ai exercé pendant longtemps comme logopède dans l'enseignement et en cabinet privé. Et puis il y a 2 ans et demi, 3 ans, j'ai fait vraiment un ras-le-bol total de cette profession, notamment parce que l'enseignement a fini par me dégoûter, la structure de l'enseignement, le dictat de la réussite auprès des enfants, sans respecter leur rythme, sans voilà, ça m'a vraiment stoppé net en fait. Et je suis entrée alors dans une grande période d'introspection. J'ai commencé vraiment à m'interroger et ça correspondait au premier confinement. Je pense que tout le monde a vécu un peu cet événement. Et voilà, je commence à m'interroger et à me demander ce qui me plaisait dans ma profession et dans ce que je faisais. Et je me suis rendue compte que c'était pas la technique, c'était que je percevais chez les autres pas mal d'émotions, que je percevais pas mal de choses au niveau énergétique, en fait, et que c'est ce qui m'aidait le plus, moi, à les aider le plus, eux. Et donc, je me suis tournée vers l'énergétique et j'ai commencé à me former. Ça m'a vraiment aidée à mettre plein de mots sur mes ressentis. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que lors d'une de mes premières formations, on m'a parlé de Roxane. On m'a parlé de sa façon de soigner, de réaliser des soins. Et là, j'ai vécu le plus grand boom qui puisse avoir lieu dans une vie, je pense, après la naissance de mes enfants, certainement. Et c'était de me dire que c'était ça que je voulais faire et que c'était soigner les gens de cette façon-là. Et c'était vraiment, ça résonnait avec moi comme jamais. Et donc, voilà, j'ai mis en fonction tout ça. Je me suis renseignée sur Roxane, je suis allée voir et...
tout s'est enchaîné, en fait. Il y avait justement un Zoom de présentation, l'opportunité d'entrer dans cette formation. Et voilà, ça a été un vrai bonheur jusqu'à aujourd'hui. Et je ne doute pas de la suite. Et en fait, quand je réfléchis, je me dis, cette vocation, elle était là depuis tout un temps. Parce que toute petite, je pense que j'en ai déjà parlé au groupe, mais toute petite, je passais mon temps à fixer les objets de mes petits yeux en me disant je vais arriver à les faire bouger avec mon esprit, je vais arriver à les transformer, et je passais mon temps à fixer. Et puis au final, ce que je fais aujourd'hui, ben c'est ça, grâce à Roxane, quoi. J'interagis avec la matière, je reconstruis, j'ai expérimenté ça sur mes enfants, sur mon mari, sur mes amis, mes connaissances. Tout le monde a pu en profiter. Je suis la première étonnée des résultats parfois. Et chaque fois, ça me met en joie, en fait. Depuis, je ne doute plus un seul instant que ce que je fais, c'est vraiment ma place. Donc voilà, et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite du parcours et de rencontrer qui aura envie de travailler avec moi et qui sera... touchée par parce que j'ai envie de faire, en fait. Donc, oui, voilà. Ben, merci, que c'est à la fois un témoignage. Merci beaucoup, Virginie, parce que vous savez, chers auditeurs, auditrices, moi aussi, j'apprends au fur et à mesure. C'est comme si je redécouvre mes élèves qui rentrent dans une grande phase de stage auprès de vous, le public, auquel nous avons besoin de tout votre soutien et votre apport pour chacune des personnes qui prennent la parole ici. Donc, vraiment, les personnes qui résonnent avec Virginie, ben voilà, elle est là. Je vais récapituler à la toute fin, et expliquer la procédure, comment nous rejoindre. Mais merci beaucoup, Virginie. C'était très, très bon. Avec plaisir. Alors, merci pour les cadeaux que j'ai entendus. Merci. alors maintenant, je vais y aller sans plus tarder avec Julie Tauvette. Alors, bonjour. Donc, Julie. Oui, bien sûr. Qui suis-je? Oui. C'est quoi la vie? Je me suis rappelée que je ne suis pas un être humain vivant une expérience spirituelle, mais bien un être spirituel qui vit une expérience humaine. J'ai mené le genre de vie que m'ont proposé mes parents, le système d'éducation, la société, en ayant l'impression d'avancer plus souvent qu'autrement à contre-courant. J'ai appris à m'évader dans la nature. Pour trouver un sens à la vie, pour garder ma sérénité, pour nourrir mon esprit. La perfection des agencements de celle-ci, son intelligence, sa force, m'inspire, m'apaise. Puis, au fil de mes expériences, de mes rencontres, je me suis tant questionnée. Un jour, la toile s'est révélée. J'ai vu l'entonnoir dans lequel nous propulsait la société. Comment en sortir? Ce sont les événements de l'année 2020 qui m'ont poussé à agir. J'étais rendue à la croisée des chemins. Et rien n'arrive pour rien. Bonjour, on m'appelle Julie Tauvette. Je suis une fière étudiante de la première cohorte mondiale de médecine holographique. Absolument. Mon désir de reprendre contact avec ce pouvoir immense et infini qui m'habite m'a orientée vers la voie à suivre pour apprendre et comprendre le fonctionnement de l'esprit. Je savais qu'il y avait plus. Et grâce notamment aux enseignements de Mme Gisèle Godbout, j'ai compris que notre potentiel de création était illimité. Cette perception change tout. Enfin, je trouvais des réponses satisfaisantes à mes questions existentielles. Ouf! Voyant la possibilité d'un monde meilleur pour l'humanité et pour la nature, je me suis intéressée à la physique quantique, comme si je savais déjà que c'était la clé. Puisque tout est énergie, donc tout est interconnecté, puisque la pensée crée, puisque l'esprit agit sur la matière, j'ai choisi de mettre la force de mon esprit au service de l'humanité, afin de commencer dès maintenant à créer un monde sans souffrance, un monde d'amour, de paix et d'abondance. C'est donc avec joie aujourd'hui que je propose la médecine holographique comme méthode alternative de soins qui saura certes contribuer à améliorer la qualité de vie des gens.
Avançons ensemble vers l'évolution de la science post-matérialiste. Un nouveau paradigme se pointe à l'horizon. Permettez-vous de vous rappeler qui vous êtes. Et bienvenue dans l'échelle de l'infiniment petit, là où tout commence. Merci et au plaisir. Wow, merci beaucoup, Julie. Alors, prenez en note s'il y a des phrases, des mots. L'énergie passe même à travers cet enregistrement, la caméra. Soyez bien sensible et à l'écoute. Merci, merci, c'est vraiment bien dit. Franchement, je sens que je vais avoir un beau spectacle moi aussi ce soir. Aujourd'hui, dépendamment le fuseau horaire. Merci, Julie. Je vais aller avec Marie-Claude Monrose. Bien, bonsoir. Comme le dit Roxane, je m'appelle Marie-Claude. Alors moi, pendant des années, j'étais passionnée par savoir comment fonctionnaient les choses et puis aussi les réparer. Donc j'ai travaillé pendant de nombreuses années dans le domaine de l'électromécanique et de l'informatique. Et puis c'est un peu les aléas de la vie qui m'ont amenée en fait à comprendre que pour moi, une chose vraiment importante, c'était d'aider l'autre dans son mieux-être, de pouvoir l'accompagner, quelle qu'en soit en fait l'issue. Et c'est là que ma vie en fait a pris tout son sens et que je me suis dirigée dans le métier de thérapeute. Et j'ai fini par me former à l'hypnose et la déshypnose et pouvoir prendre en plus conscience que certaines de nos douleurs étaient liées à des problématiques émotionnelles et de pouvoir, par ce biais, faire disparaître certaines douleurs. Mais au final, il me manquait toujours quelque chose. Me dire que quand la personne n'a pas pris pleinement conscience de ses problématiques émotionnelles et que, au final, le message n'a pas été compris et que le corps finit par complètement impacté, les organes sont en détérioration, là, il n'y avait plus beaucoup de choses à faire. Et c'est là que Roxane est apparue sur ma route et avec la médecine holographique, et de voir que maintenant, il est possible par l'esprit de pouvoir justement modifier la matière et intervenir là-dessus. Enfin, c'est quelque chose de miraculeux, et donc de pouvoir vraiment rendre service à l'humanité et puis aider le plus de personnes possible, c'est waouh. Oui, tout à fait. J'aime beaucoup ton analogie avec ta vie passée, hein, parce que tout est interconnecté, hein, l'électronique. Donc, tu es toujours dans les structures de bâtiments, donc, si on peut dire, à la fois dans la matière inerte, hein, la matière, et celle qui est organique. Donc, il y a une belle continuité dans ton expérience, si tu veux, là, ton expérience humaine. Et puis, c'est assez intéressant de voir l'écart entre tes pratiques d'hypnose et te dire, mais il manquait toujours quelque chose. Et c'est là, la médecine holographique, elle est là pour combler justement cet écart. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir aussi s'identifier à ces paroles, parce que c'est vrai qu'on s'est toujours dit un peu dans nos pensées secrètes, peut-être, pourquoi je ne peux pas faire déplacer un objet, pourquoi je ne peux pas réparer, pourquoi je ne peux pas, alors qu'on raconte plein d'histoires, ou est-ce que dans un temps précieux, il y a 2000 ans, il y a 24 000 ans, tout cela était possible. Alors, et c'est se réapproprier ce savoir avec la méthode et avec les pratiques et de reconstruire les tissus du corps. En fin de compte, ça me permet aussi de rappeler aux gens qu'il y a une similitude entre les medbeds, donc la médecine, les medbeds, ce sont des lits, hein, pour les gens qui suivent bien ces dossiers de l'humanité, ce sont des lits où est-ce qu'on peut régénérer, reconstruire les tissus. Que ce soit des cancers, que ce soit des inflammations, peu importe les organes. En fait, ça peut être long, la liste, là, jusqu'à cesser, je crois, l'autisme. Il y a en fait la fibromyalgie, la palette, elle est très, très large. Et donc, en fait, il faudrait faire l'analogie entre cette technologie, donc qui est physique, un lit physique, donc une matière, et la technologie de la médecine holographique est la même, mais sauf que c'est
organique. Donc, le lit, l'instrument, c'est l'être humain, c'est l'humain 3.0. L'humain 3.0, vous allez voir, je l'explique dans d'autres entrevues, puis vous allez voir aussi sur mon site web de quoi il s'agit. Mais alors, merci beaucoup, vraiment, Marie-Claude, de ce beau témoignage et de m'avoir permis de placer ces éléments-là. Alors, prenez en note, Marie-Claude, elle est là, et donc, je vais poursuivre avec la suite des gens. Merci beaucoup. Merci. Je vais y aller avec CM. Bonjour à tous. Moi, je vais me présenter. J'ai toujours été quelqu'un de très altruiste. J'ai toujours été dans l'entraide, le partage depuis que je suis toute jeune. J'ai vécu beaucoup d'épreuves aussi dans ma vie. C'est tout ça, ce chemin, ces épreuves, c'est mon parcours qui m'a amenée jusqu'ici aujourd'hui. Les plus grosses épreuves que j'ai vécues, j'ai eu un garçon qui est 28 ans, qui a une déficience intellectuelle assez sévère et profonde. C'était quelque chose qui a été très bouleversant, qui ne veut pas, qui m'a amenée à avoir un éveil un peu plus spirituel. Ensuite, j'ai une formation en éducation spécialisée. J'ai été infirmière en psychiatrie pendant 13 ans. Et ce qui m'a amenée vraiment aujourd'hui, c'est j'ai vécu une épreuve il y a 5 ans. J'ai eu un petit incident qui m'a laissé des séquelles neurologiques, une douleur chronique assez sévère. Et c'est ça, la médecine traditionnelle, les médecins ne savaient plus quoi faire. Aucun médicament était pour me soulager. Il n'y avait pas aucune journée où je ne vivais pas de douleur, des douleurs insupportables. Et j'ai fait le tour aussi, j'ai eu plusieurs infiltrations, il n'a aucune n'a fonctionné. J'ai fait le tour un petit peu des médecines alternatives, hypnose, chiro, physio, j'ai fait de la réflexologie, j'ai fait l'ostéopathie, en tout cas, il n'y a rien qui a fonctionné. Fait que c'est ça qui m'a amené à faire des recherches sur Internet, parce que je ne pouvais pas concevoir que j'allais vivre avec cette douleur-là, cette souffrance-là tout le reste de ma vie. Je dis non, il y a quelque chose qui existe. Fait qu'en, puis en même temps, je cherchais quelque chose que nous orienter ma carrière vers autre chose aussi, avoir quelque chose que je pourrais faire chez moi, tranquille, faire mes petites horaires, puis toujours dans l'entraide. Et par hasard, j'ai tombé sur, au mois d'août l'année passée, j'ai tombé sur une entrevue de Roxane avec Nicolas. Et tout le long de l'entrevue, j'avais une vibration, ça vibrait à l'intérieur de moi. Je sentais cette énergie. Puis ça me disait, c'est ça que je cherchais. Fait que je me suis inscrite, et me voilà, et je suis la preuve que ça marche. On a fait un échange avec une autre étudiante, Virginie, qui a pratiqué les séances sur moi, et ça marche. Ça fait une semaine que je ne prends pas de médicaments. J'ai cessé ma médication pour la douleur. Mais jusqu'à maintenant, ça marche. Wow. Fait que j'aimerais beaucoup participer à cette opportunité-là à d'autres aussi qui ont fait le tour et qui ont rien qui a fonctionné. Alors, j'aimerais faire participer à cette opportunité-là. Wow. Oui, je suis la plus vivante. C'est impressionnant. Fait que je veux le partager. Puis... Enfin, profiter. Oui, tout à fait. Fait que... Oh oui, parce que je ne pouvais pas... pour moi, c'est un miracle. Tu dis que c'est pas un miracle, mais pour moi, c'est un miracle parce qu'il n'y avait pas de solution. J'ai fait le tour à un moment donné. C'est ça. Et tu vois, j'y croyais, puis ça marche. Ça a marché. Ça a marché. Bien, en fait, pour les auditeurs, ouais. Il faut comprendre que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, mais la pratique de la médecine holographique se fait à distance. Donc, dans ce cas-ci, type, vraiment, Virginie, elle est en France, hein, en Belgique, hein, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Et puis, CM, CM, elle est au Québec. Donc, la médecine holographique n'a aucune... fonction de présentiel. Donc, justement, sa force, c'est de ne pas se présenter, prendre un rendez-vous physique, se déplacer pour aller voir, obtenir un soin ou un traitement. Alors, tout se fait à distance et ce sera des procédures qui seront expliquées au fur et à mesure. Bon, si vous voulez vous inscrire avec une de ces personnes, vous allez me nommer son nom, je vais acheminer les bonnes personnes à bon port. Puis je vais à ce moment-là expliquer le déroulement.
Mais par contre, vraiment très fascinant. Merci beaucoup de ce témoignage à la fois donc entre vous deux. Et ça faisait combien d'années que tu avais ce dysfonctionnement, cette problématique santé? Presque 5 ans. Presque 5 ans. C'est quand même incroyable. Donc ici, on a vraiment un exemple de regénérescence des tissus, de la matière. Donc au départ, sa matière était asymétrique, est arrivée dans un état plasmique et est revenue à la symétrie. Donc, c'est franchement des beaux résultats de recherche qui sont colligés dans une vaste base de données par type de cible, donc de problématique santé. Cela s'adresse à tous les gens qui nous écoutent en ce moment, parce que si vous pensez à un organe très précis, il y a certains organes, parce que vu qu'on est en développement de la production de la recherche et du savoir, de la connaissance, il y a plusieurs organes qui ont déjà été ciblés dans la reconstruction de la matière, mais il y en a d'autres parce que c'est encore des premières. Donc, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Mais quand vous allez nous écrire, c'est quand même important que vous nous indiquiez la cible que vous souhaitez traiter. Sinon, vous pouvez m'en donner 3. Comme ça, j'aurai le choix. Je pourrai mieux vous orienter avec la stagiaire et partir, si vous voulez, le stage, le débuter et le suivre tout au long des soins qui seront dispensés auprès de vous. Alors, mais vraiment, merci beaucoup. Merci à vous deux. Puis merci spécifiquement à toi pour ce témoignage et ce grand tournant de vie, à la fois personnel et professionnel. Donc, tout est possible. Merci infiniment. Alors, prenez note, CM est là, et si ça résonne, c'est la personne pour vous. Alors, merci. Alors, je vais passer à une autre personne. Je vais passer à Marie-Laure. Oui, Marie-Laure. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir, ravie d'être avec vous. Oui. Merci Roxane pour cette super introduction, comme toujours. Merci. Alors, du coup, moi, j'habite en France. J'ai la petite quarantaine, voilà, tout juste. Je suis de formation, je suis vétérinaire. Ça va faire bientôt 17 ans que j'exerce, donc j'adore mon métier. Donc j'ai la chance d'avoir choisi et d'avoir eu la vocation depuis toute petite. Ouais. Toujours une relation particulière avec les animaux. Ouais. Toujours voulu les aider, que ce soit à poil, à plume, voilà, peu importe. Voilà. Mais ça fait quelques années quand même que j'ai vu les limites, en fait, à la médecine, comme la médecine humaine, en fait, la médecine vétérinaire se développe, mais on a encore des limites comme médecine humaine. Notamment effectivement sur la gestion des douleurs, sur des pathologies qu'on dit incurables ou qu'on n'arrive plus à traiter, quoi. Ouais. C'est pas possible, il existe quelque chose, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je savais en enfant intérieur qu'il existait un truc et que je pouvais faire quelque chose, mais je savais pas quoi. Donc du coup, grâce à certaines clientes d'ailleurs, les clients sont de plus en plus ouverts d'esprit, je trouve, on peut de plus en plus de parler de médecine alternative, okay. Voilà. Donc, j'ai essayé de faire des recherches, que ce soit en homéopathie, phytothérapie, des choses comme ça, mais ça ne me convenait pas. Okay. Je n'ai pas eu l'élan de m'inscrire, de m'investir dans ces formations-là. Parallèlement, j'ai aussi l'appel de me former à la communication animale, il y a 4 ans bientôt. Donc, ça m'apporte beaucoup aussi. Ah oui. Un plus, voilà. Avec les personnes et puis les animaux. Donc, et cette formation de communication animale, je pense que c'est aussi le début de quelque chose parce que ça m'a ouvert l'esprit. Comme je suis très cartésienne au départ, la formation un peu scientifique comme Roxane, effectivement, ça m'a ouvert un petit tiroir, en fait, dans mon cerveau, dans mon esprit. Ouais. Et c'est par après, je pense qu'il y a quelques années, j'aurais peut-être pas fait la formation de Roxane parce que j'avais pas fait cette communication animale, je pense. Ouais, ouais. Voilà, donc je suis tombée sur la vidéo de août aussi, moi, 2020, avec Roxane qui témoignait de la médecine anographique, et ça m'a tout de suite parlé. Je me suis dit, effectivement, ça fait tilt, ça fait un déclic. Je me suis dit, bah, écoutez, c'est peut-être ça que je cherche depuis quelques années. Ouais. Donc, du coup, là, je n'ai pas hésité. Je me suis inscrite à Aquarelle Science, et puis j'ai suivi le parcours tout doucement, fil de l'eau, voilà. Ouais. Je me suis inscrite rapidement et ça m'a bien convenu.
Et ce qui me rassurait aussi, c'était la formation scientifique, un peu de Roxane, quand même, le côté un peu, voilà, ça me raccordait à quelque chose que je connaissais, voilà. Ouais, c'est vrai, oui. Effectivement. Donc, j'ai donc effectivement eu des cas animaux, mais aussi humains. Donc, évidemment, mon cœur penche plus vers les animaux, mais je ne suis pas fermée à des soins de personnes, là. Tout à fait. Voilà, donc après, selon les ressentis de chacun, voilà, si ça vous parle, je serais ravie de vous aider et d'essayer d'améliorer le bien-être animal ou humain. Voilà. Tout à fait. Voilà. C'est vraiment bien le point que tu soulignes, cette approche très cartésienne hein, et à la fois non linéaire. C'est fou parce qu'on dirait que c'est deux termes qui ne vont pas ensemble, mais je crois que on rend ce savoir et cette connaissance-là à travers des prismes de 3D aussi, pour Ouais. savoir comment on fonctionne au jour le jour, au quotidien. Donc, c'est tout l'objet de la méthode, savoir comment l'appliquer et son fonctionnement et son processus. Donc, c'est une belle démonstration, je crois, Marie-Laure, des gens qui sont à la fois très cartésiens, très 3D dans leur structure, leur formation, leur gagne-pain de vie, mais qui ont aussi cet appel, mais ils ne savent pas quel vraiment instrument, outil s'approprier pour se développer. Mais comment faire l'un deux dans un, finalement, et bien gagner sa vie. Et un complète l'autre. Un n'est pas à contrario de l'autre. Et tous les deux ont des structures, ont des normes très précises. Je veux dire, ce sont des échelles de mesure. Et je crois qu'on arrive vraiment à faire la complétude. Enfin, le chaînon, moi, je le vois un peu comme, je sais pas si tu es d'accord avec moi, Marlon, mais c'est comme si je le voyais comme le chaînon manquant. C'est ça, tout à fait. Il faut alchimiser les deux et puis faire une médecine nouvelle, quoi, du nouveau monde. Oui, tout à fait. C'est En bon. tout cas, un très bel exemple. Donc, pour les gens avec qui ça résonne, pour les animaux, vous avez nos animaux aujourd'hui, ce sont des partenaires de vie également. Alors, À fait. ce sont des êtres qui ont des sentiments, qui ont aussi des pensées et qui nous apportent beaucoup d'exemples de sagesse dans notre monde humain qui n'est pas toujours très sage pour toutes sortes de raisons, mais qui sont vraiment des très bons médicaments hein, au quotidien C'est pour des nous. maîtres spirituels aussi, les animaux. Absolument des êtres spirituels. Donc, on a la chance d'avoir notre première médecine vétérinaire holographique au monde. Comme toutes les gens, vous êtes des premiers au monde, mais là, c'est officiellement Marie-Laure qui trace la voie pour la médecine vétérinaire, mais à la fois holographique, surtout holographique. Donc, franchement, merci. Tu as une bonne idée de t'inscrire et d'être rendue jusqu'ici aujourd'hui. Je pense. C'est merveilleux parce que ce sont des propositions. Vous êtes toutes des propositions. Alors, c'est ta proposition. Alors, les personnes qui résonnent pour les humains ou les animaux, vous savez Voilà. contacter ces Marie-Laure. On va y revenir. Donc, merci beaucoup encore. Merci. Merci à tous. À bientôt. Merci. OK. Maintenant, on va aller au Québec avec Marie-Claude Leblanc. Bonjour à tous. Salut, Marie-Claude. Bien, moi, ben, comme Roxane dit, je m'appelle Marie-Claude Leblanc. De loin, j'ai toujours su, c'est une conviction profonde dans moi, que tout est possible. Donc, depuis ma jeune âge, je viens d'une famille thérapeute. J'ai une grand-mère qui est thérapeute, j'ai une mère, j'ai une sœur. Donc, ma grand-mère, elle a fait ce qu'on appelle une mort imminente, fait que c'est des volets qu'elle a été explorés. On dit qu'on est des expérienceurs. Donc, mettons que tout ce qui est spirituel, justement, holistique, c'est des énergies, c'est des choses que j'ai touchées depuis ma jeunesse. Fait que j'ai suivi la route de la famille. Je suis thérapeute. J'ai toujours, pour mon plaisir personnel, pour la suite, offrir à mes gens qui viennent me rencontrer, j'ai toujours fait des formations qui, tu sais, j'ai suivi le relâchement de fascia, j'ai suivi le Reiki, j'ai fait sophrologie, résonance du cœur. Ben, tu sais, j'en ai beaucoup, beaucoup. Puis ça a toujours été quelque chose que je m'offrais comme cadeau.
OK. Puis, drôlement, t'sais, on parle de la crise de la quarantaine, une petite tranche de vie. Ouais. Fait qu'à 40 ans, je me suis fait rire parce que j'ai eu un petit pop là, de la crise de la quarantaine. Puis, c'est comme si mon esprit me disait, ben là, ma grande, c'est le temps. Là, il faut que tu upgrades, puis il faut que tu avances. Fait que c'est comme si mon esprit me disait, ben là, c'est le temps, on fait notre coming out, puis on s'affiche. Là. Fait que j'ai dit, OK, j'ai eu une conversation avec mon esprit, puis j'ai dit, OK, je suis prête, mais tu sais, je sais pas quoi, mais tu sais, montre-moi la suite. Mm-hmm. Puis, je suis tombée sur une vidéo de Roxane. Puis, ça, tu sais, on dit que tout est déclencheur. Fait que quand j'ai vu Roxane dans ma résonance, ben, ça fait OK, c'est ça. C'est ça ma suite. Donc, j'ai fait un processus de cheminement avec elle dans l'Aquarelle Science, que j'ai adoré, qui a ouvert l'esprit plus élargi. Puis, c'est quelque chose que j'ai toujours recherché étant jeune. Mm-hmm. Fait que ça l'a continué. Tu nous as bien, tu sais, j'ai adoré la physique quantique, c'est toujours quelque chose. Il y avait des mots qui se donnaient sur des choses qui se ressentaient en dedans de moi. Okay, ouais. Ça faisait sens dans tout le processus de mon cheminement personnel. Puis autant au niveau de l'accompagnement, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup accompagner les gens, mais surtout les accompagner dans leur autonomie. Tu sais, de développer eux-mêmes, parce que je crois beaucoup que les gens, on a tous quelque chose en dedans, on a tout ce qu'il faut en réalité. Puis, tu sais, il faut juste le redécouvrir. Fait que j'aime accompagner les gens à redécouvrir cette partie-là d'eux pour qu'ils deviennent, on parle du mot, bien sûr, qu'on a entendu souvent, mais le côté souverain de nous-mêmes. Oui. Donc, tu sais, c'est ce côté-là qui m'enchante beaucoup, justement, de suivre aussi. Puis, comme je dis, tu sais, la médecine holographique touche beaucoup sur le côté où je pense que tout est possible. Puis, ça m'ouvre encore plus aux possibilités puis à l'expansion de ce qu'on est dans notre vraie nature. Ouais. Donc, c'est pour ça que là, je suis ici avec vous. Oui. Et que je peux justement... pouvoir vous accompagner dans ce beau processus, cette belle aventure-là, pour moi, qui est une belle aventure, mais qui est aussi à la fois, aujourd'hui, un mode de vie, quelque chose qui est très... qui fait, comme je dis depuis tantôt, qui fait un sens à tout ce qu'on vit présentement, ou peu importe qui nous sommes, C'est comme un retour à ta souveraineté, puis t'es quelqu'un qui aime... En fait, qui dit souveraineté hein, dans notre ère en ce moment matricielle, hein, on parle beaucoup de système de croyances, mais forcément, là, on sort vraiment de la boîte, hein, on va penser autrement. Et donc, je comprends bien que tu es quelqu'un qui est passionné par des transformations, par le mot « transformer ». Exact. Puis, tu sais, la transformation, où, tu sais, on entend souvent dans la spiritualité ou à toute autre forme, là, c'est parce que là, je prends le mot spiritualité, mais la transmutation, la transformation, sortir de ce paradigme-là qu'on est dedans, dans les programmations, justement, pour pouvoir vraiment reprendre pouvoir sur nous, tu sais, comme on dit, c'est ça, vraiment prendre pouvoir sur nous, puis... Puis en plus, pour pouvoir vraiment s'expansionner dans notre vraie nature. Donc, pour moi, la médecine holographique, c'est justement, c'est ouvrir le processus d'un nouveau monde, de notre monde, en réalité, qui a toujours été, puis qui est là, qui est prête à tomber en résonance, vraiment, en conscience. Fait que, voilà, me voici, puis ça va me faire plaisir de vous accompagner. Ben, c'est merveilleux. Merci. Ça me soulève quelques mots que tu as dit. Moi, ce qui soulève c'est chez moi, c'est la partie éducative. Hein. Il y a la partie recherche de la médecine holographique. On est dans la mesure, on est dans la transformation de la matière. Comme par exemple, je m'amuse à dire, quelqu'un arrive avec une blessure d'un genou de plus de 5 ans, plus de 2 ans, donc 5 ans. Et à la fin de quelques semaines, parce qu'il y a j'en parlerai, mais des soins de courte durée, ce sont des soins de 5 jours, et il y a des soins de longue durée, donc de 6 jours et plus. Et donc, à partir de ce moment-là, on voit bien que
Tout est possible, qu'on arrive à, par l'éducation également du participant. Alors, on ne parle pas ici de termes comme la médecine classique, on fait bien attention parce qu'aussi on est dans un cadre de recherche. Alors, on parle de participants parce que les personnes qui allaient venir auprès des stagiaires, par résonance, hein, vous allez être des participants. Donc, c'est votre statut officiel. Donc, à partir de ce moment-là, évidemment, par exemple, toi, Marie-Claude, tu vas sous ma supervision parce que ça va être tous les stages sont supervisés par ma personne en temps réel. Évidemment, tu vas avoir l'occasion, toi qui aimes accompagner, mais d'éduquer parce que le participant aussi, celui qui veut s'ouvrir la conscience et l'installer, va poser des questions sur mais Marie-Claude, de quoi il s'agit une fois que tu m'as expliqué le protocole, une fois qu'on a. Je comprends la mesure, je comprends ce que j'ai à faire avec mes auto-évaluations, je comprends les évaluations que tu me fais au quotidien, mais comment fonctionne cette médecine holographique? Quelles sont ses logiques? Quels sont ses principes? Alors, évidemment, il y a, pour les personnes qui ont envie de vivre cette expérience et de contribuer à la recherche et au stage de chacun des stagiaires, évidemment, vous allez vous laisser ou vous offrir l'opportunité de laisser votre personne, votre stagiaire choisi, vous expliquer en fait de quoi il s'agit, en quoi cela consiste. Alors évidemment, on va essayer de créer des expériences les plus complètes parce qu'il y a à la fois la partie éducative, il y a la partie recherche qui est de mesure de transformation. Donc, merci d'avoir soulevé cet aspect-là. Ça m'a permis encore une fois de compléter davantage ce qu'est la médecine holographique. Merci beaucoup, Marie-Claude. Bien, merci à vous. Merci. On va y aller avec Elisabeth. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Elisabeth. Je suis originaire de France et d'Italie et j'habite actuellement en France depuis 11 ans. Ouais. Mais j'ai beaucoup voyagé. Voilà, je suis une globe-trotteuse dans l'âme. Et donc, jusqu'à il y a 11 ans, j'étais sur les bateaux de croisière, j'étais hôtesse. Et après, j'ai été guide en Norvège et parce que j'ai un master en langue étrangère appliquée. Ouais. Et voilà, il y a 11 ans, j'ai eu le désir de rentrer et d'exercer mon métier à la base qui était celui de traductrice, transcriptrice. Ouais. Et, mais voyez-vous, depuis quelques années, j'étais vraiment en recherche parce que moi-même également, j'avais des soucis de santé depuis l'âge de 16 ans. J'avais une maladie orpheline et disons que j'étais toujours à la recherche de comment améliorer ma santé au quotidien. Comment faire pour éventuellement trouver une solution autre. Et mes problèmes se sont légèrement aggravés. Et maintenant, disons que je reconnais que j'ai beaucoup de chance et je suis moi-même une participante, c'est-à-dire que je suis en cours actuellement de bons soins par une de mes collègues qui s'appelle Annick et je pratique moi-même sur moi. Ouais. Voilà, la médecine holographique. Et le déclic, en fait, le gros déclic, le dernier déclic, c'était celui de juillet dernier avec la vidéo de Roxane. Oui. J'ai vraiment eu ce que j'appelle un coup de foudre, à la fois spirituel et scientifique. C'est-à-dire que depuis ce jour-là, ma vie a changé, mais vraiment a basculé. Ouais. Deux jours après la vidéo, je quittais mon poste de travail. Incroyable. Et oui, c'est-à-dire que j'attendais ce moment depuis, je ne sais pas, j'avais une envie de quitter, mais je n'osais pas. Et là, j'ai osé quitter et grand bien m'en a fait puisque depuis, je me sens beaucoup mieux. Mm-hmm. Et voilà, vous voulez, j'ai trouvé dans la médecine holographique ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est-à-dire le chaînon manquant qui permettait d'allier voilà, la spiritualité hein, et le côté scientifique, puisqu'à la base, même si j'ai un master en langue, j'ai suivi aussi des études scientifiques. Ouais. Et donc, c'était parfait pour moi parce que jusqu'à présent, je n'avais pas trouvé de formation qui puisse me permettre voilà, d'allier les deux. Ouais. Et donc, voilà, je suis toujours en recherche, toujours une éternelle étudiante. Oui, ben oui, c'est la multiplication des expériences, mais maintenant à travers la médecine holographique.
Alors, ce qui est bien, c'est que ça permet en fait aux auditeurs, auditrices de voir, de s'apercevoir qu'on n'a pas besoin d'être chercheur, chercheuse ou avoir une formation cartésienne à la base. On peut faire tout à fait autre chose dans la vie et puis se ramener vers une base un peu plus cartésienne que je n'ai pas le choix là, d'installer parce que c'est quand même de la recherche avec des résultats, de la mesure, mais vulgarisée. Alors, accessible, vulgarisé, pour ne pas compliquer trop les choses, mais suffisamment de rigueur pour nous donner une structure et des résultats. Hein? Des résultats pour l'humanité, parce que c'est une nouvelle base de données que j'ai bâtie, que j'ai lancée depuis janvier 2021 et qui se poursuit, heureusement, en 2022. Il y a la multiplication des Roxane. Alors, c'est vous. Parce que je trouvais ça bien triste de me porter le sort et le poids de l'humanité en une seule personne sur la planète Terre. Donc, je m'étais dit un beau jour, ça y est, ça se peut pas, je peux pas garder ça pour moi-même, c'est égoïste et de toute façon, je passerai jamais toute une vie la planète en entier. Alors, alors vaut mieux partager, enseigner et donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est le dévoilement de la première cohorte 2022. Donc, c'est vraiment une première mondiale. Encore une fois, ce sont des grands mots, je ne vais plus prononcer ces mots-là, c'est la première cohorte qui casse la baraque, qui casse, qui déchire tout et qui va après amener son socle et son sillon de ses propres électrons libres qu'ils sont, les gens qui vont les suivre à votre résonance, à leur résonance. Donc, merci beaucoup, Elisabeth, d'être là. Et donc, merci bien de ta présentation. Alors, retenez le titre, pas le titre, mais son prénom, Elisabeth, si ça résonne avec vous. OK, merci. Je vais aller enchaîner avec Annick. Bonjour, belle Annick. Le son, ouais. Ah, voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir, Annick. Oui, alors, moi, je suis à la retraite depuis 2 ans. Ça a coïncidé avec le premier confinement en France. Ouais. Et avant ça, mon métier, c'était de travailler avec les enfants. Mmh. Voilà, ça a duré quelques dizaines d'années, on va dire. Ouais. Et c'était vraiment pour moi un grand plaisir. Pas toujours facile, mais un plaisir quand même. Ouais. Voilà, donc le confinement, ça a mis un coup d'arrêt en plus à mes activités. J'ai dû tout arrêter, moi qui pensais repartir dans les associations, faire un tas de choses, voilà. Et donc, j'ai pris du temps pour moi et j'ai découvert un peu Internet. Ouais. Et j'ai découvert Éveil-Homme. Oui. Et j'ai vu arriver Rita Lumière. Oui. Oui. Et puis ensuite, bah, Roxane, je t'ai vu arriver avec ce que tu proposais au niveau des aquarelles quantiques. Oui. Et ça, pour moi, je me suis dit, ça, est-ce que c'est pour moi? Je vais bien voir. Bien sûr. Parce que je ne suis pas scientifique du tout, moi. Oui. Voilà. Donc, j'ai démarré avec les aquarelles quantiques. Mm-hmm. Je dirais que l'aquarelle m'a permis aussi, avec tout ce que tu proposais au niveau de la physique quantique, ouais. Comme c'était vraiment bien proposé pour, je dirais moi, qui n'étais pas scientifique, c'est passé, quoi. Voilà, la vulgarisation était bien. C'est bien passé, voilà. Ça m'a beaucoup aidée. Oui. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est ce côté et scientifique. Et d'un autre côté, il y avait la spiritualité aussi. Oui. C'est-à-dire que pour moi, ça partait du cœur. Ça partait du cœur, c'était dans la bienveillance. Et bon, ça me parlait. Oui. Voilà, je suis arrivée niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et je me suis demandé si je poursuivais, parce que le but, c'était quand même ça. J'ai attendu le test éther-matière. Ouais. Voilà, pour moi, c'était ou ça marche ou ça marche pas. Et ça a marché.
Donc, ça m'a bien donné confiance en moi quand même. Et puis, je dirais que le fait de faire partie d'un groupe et d'être soutenue par toi, Roxane, ça aide quand même, je trouve, à prendre confiance en soi. Oui, c'est surtout le développement, si tu me permets bien, là, ce qui me déclenche dans ce que tu dis, c'est le développement de ta nouvelle compétence. Oui. Parce que c'est quand même c'est une nouvelle technologie, ben une ancienne, on la redécouvre, on va l'appeler nouvelle, de l'humain 3.0, mais non seulement ça, c'est une chose, savoir qu'on a la compétence, mais développer la confiance dans l'application, dans la matière, à la reconstruction des tissus, c'est quand même un chemin de déconstruction du système de croyances préétabli depuis notre naissance, un déconditionnement, mais en même temps, une réintégration d'une partie de soi, où est-ce qu'on pouvait la nommer par des termes comme intuition, un ressenti, ou je ne sais pas, bon, comment on fait l'alliage entre ces deux mondes, hein, comme j'avais parlé tout à l'heure en ces termes différents, mais avec Marie-Laure. Donc, évidemment, c'est une nouvelle compétence. Donc, c'est un processus de développement et d'application parce qu'on est dans de l'application. La matière se transforme réellement. Donc, c'est ça. Le stage sert encore à solidifier de plus en plus. Plus de cas nouveaux et nombreux que l'on reçoit, plus la médecine et sa pratique holographique s'enrichit. Parce que, par exemple, vous qui nous écoutez, vous voulez vous inscrire avec Annick, écoutez, il est clair que par la suite, il y a une autre personne qui veut s'inscrire avec Marie-Claude Leblanc ou Monrose. Sachez que tous les gens qui veulent participer à cette recherche, ce sont des données que la médecine holographique va partager. Donc, chacun d'entre nous et les futures décennies vont voir les données, le travail fait. Donc, c'est non seulement une compétence à développer, à intégrer, à installer, mais aussi un partage. Donc, la personne qui va s'inscrire avec Annick ou les autres, vous allez participer au partage du savoir et de la connaissance. Donc, oui, je te comprends qu'il faut quand même qu'il y ait une certaine assurance parce que ce n'est pas quelque chose qu'on nous a appris à l'école, quoi. Hein? Ça. Ça a été la découverte et vraiment un émerveillement pour moi. Ouais. Et le fait d'avoir des participants et d'avoir un retour sur ce qui se passe aussi, c'est très très important. Je dirais que c'est un travail en binôme. Tout à fait, un travail en binôme. Oui, c'est bien dit. C'est ça. Il y a de la rétroaction. C'est ça. Donc, on avance dans du palpable et du concret. C'est ça. Oui. À distance, n'est-ce pas merveilleux? Oui, c'est formidable d'être en France, parce que je suis en France, oui. Et de travailler avec le Canada. Tout à fait. Et autres pays. Et autres pays, oui. Alors, vraiment, je ne sais pas si tu avais autre chose à ajouter, Annick. Est-ce que tu voudrais dire... Non, c'est avec... plaisir et bienveillance que j'accueillerai des participants. Oui, voilà. Merci. Puis je soulignerai aussi, Annick, que tu es quelqu'un qui aime beaucoup accompagner les gens. Tu es beaucoup dans l'accompagnement de ce que je connais de toi. Alors, ce sont des fibres qui sont là. Donc, ceux qui nous écoutaient, ben voilà, je le dis parce que, bon, chaque personne a ses caractéristiques. Il y en a qui sont plus extrovertis, d'autres introvertis. Donc, je tenais à le souligner pour toi, Annick. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Roxane. Merci. Alors, je vais passer sans plus tarder avec Odile. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Odile. Je m'appelle donc Odile. J'ai fait un petit récapitulatif parce que tu avais dit 2-3 minutes, donc j'ai essayé de faire ça court. Hein. Oui. Donc je vais en partie le lire. Hein. Oui. Donc je signale que je n'ai pas de formation médicale, mais bon, j'ai constaté que finalement, avec les stages et ce que nous faisons avec Roxane, ce n'était pas nécessaire, ce n'était pas une base nécessaire. Mes anciennes activités professionnelles dans le contrôle de gestion et la création des rapports de conditions de vie d'expatriés, avec production de statistiques sur le coût de la vie, sont des domaines très liés à l'information et à la gestion des données. Et il faut dire qu'avec Roxane,
Il y en a beaucoup. Bon, ce qui m'a démission dans des pays en guerre, et j'en ai fait beaucoup, je suis allée à Sarajevo, j'ai fait toute l'ex-Yougoslavie, et du fait de ma très grande empathie, on nécessitait un travail sur les ressentis en amont, et parfois, mais surtout en aval. Et c'est un peu ce qui m'a rapprochée de toi, Roxane, parce que j'ai vu la vidéo. Ouais. Et c'est donc tout naturellement, en quelque sorte, que j'ai été portée vers ta formation, parce que j'ai vu, c'était en résonance complète. Ouais. Et ce que tu apportes, bah, c'est l'analyse des aquarelles en connexion avec le grand tout. Oui. Ça, avant, je ne l'avais pas, ce lien. La formation de Médelo s'est imposée par le besoin en soins de personnes suspendues et complètement exclues du système que j'ai connu ici à Saint-Nazaire et surtout du système médical, appartenant à un comité citoyen évolutionnaire. Il était évident pour moi d'aider les autres et donc et de contribuer à leur bien-être tant individuel que collectif. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai accepté de faire cette formation supplémentaire, parce que sans ça, je me serais probablement arrêtée aux aquarelles. Oui. Ce que je voulais signaler, parce que j'ai eu un cas, là, le dernier cas d'un participant, tu connais Roxane, parce que je l'ai fait part, hein, sur 2 semaines, est très intéressant pour moi, tant sur le plan physique au niveau de l'élévation de conscience, et je vais vous raconter pourquoi. J'ai eu quelqu'un qui a fait pratiquement un saut quantique. Alors là, c'est un homme que je connais, mais qui vient de temps en temps là sur la côte, un homme très matérialiste, mais vraiment pur et dur, hein, qui a subi 24 opérations. 24. Donc, un fervent adepte de la médecine traditionnelle. Wow. Et puis, il s'est porté volontaire, alors je ne sais pas pourquoi, pour un essai avec moi. Le résultat est vraiment au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. Il n'avait presque plus de poumon gauche. Son poumon droit fonctionnait lamentablement. Son diaphragme était complètement inerte. Et au bout d'une semaine, déjà, le diaphragme commençait à se manifester. Wow. Et puis, là, en 2 semaines, il est arrivé d'ailleurs à un taux d'oxygénation de 97, hein, alors qu'il était à 92 depuis longtemps. Or, il faut normalement 94. J'ignorais ces taux. C'est lui qui me l'a dit parce que son médecin lui impose en quelque sorte de contrôler cela tous les jours. Oui. Donc, pour moi, c'est surtout cette prise de conscience de sa part qui m'a interpellée. Il m'a raconté qu'habitant à Nantes, en centre-ville, il avait eu un besoin, mais urgent, d'aller s'appuyer contre un arbre, un chêne, mais vraiment un très très vieux chêne, il dit 300 ans, et de rester au milieu de vaches et de veaux, et il était heureux comme tout, chose qu'il n'aurait jamais fait auparavant. Donc en quelque sorte, c'est vraiment extraordinaire. Et ce que je veux dire avec ça comme conclusion, c'est que la médecine quantique, ce n'est pas seulement physique, hein, grâce à l'intrication, elle va bien au-delà, car elle met en lumière le fonctionnement et dogmes scientifiques dont on souffre tous, hein, mais la mise en synergie surtout de la conscience, de l'intuition et de la science par la médecine holographique permet de guérir et le corps, et l'âme, et l'esprit. C'est très, oui, mais j'apporterai à ton attention que j'ai dit tout à l'heure des mots sensibles, de ne pas utiliser le mot guérir. Alors, juste. Excuse-moi. Oui. Je sais, oui. On est heureux, on s'emporte, et c'est OK. Mais c'est beau, cette histoire. Donc, si je peux reprendre, c'est vraiment une transformation à la fois de l'esprit, le rayon. Donc, on parle des ondes scalaires, on parle du rayon. Donc, c'est une touche à la fois à la transformation de l'esprit pour des gens qui en ont d'une soif. Une très grande soif ou qui ont été oui, privés exactement. De nourriture de leur esprit durant leur vie et qui finalement, au final, il y a également une reconstruction de la matière tout à la fois. Oui. Donc, le rayon va là où il y a un plus grand besoin
Et donc, j'imagine, toi, Odile, que tu n'étais pas là pour traiter son esprit ni son ouverture. Non! Ah. Non, j'étais très surprise. Ah oui? Et maintenant, il veut connaître ma continuité, disons, dans la formation. Il est très, très intéressé et il aura besoin de moi de nouveau. Ah ouais. C'est très bien parce que c'est encore une fois une belle démonstration de la partie éducative. Oui. Les médolos, tu as dit les médolos pour les gens qui ne savent pas ce que c'est. Hein, c'est les praticiens de la médecine holographique. Donc, l'acronyme, c'est les médolos. Voilà, tu l'as introduit donc pour expliquer. Mm. Donc, les médolos, vous êtes vraiment ceux qui vont aussi une part d'éducation à l'ouverture et l'installation des consciences de personne en personne, donc de village en village, de groupe en groupe, de rencontre en rencontre. Parce que dès que cette conscience elle est installée à travers vous, vous savez comment fonctionner dans sa matérialité, évidemment, ouais. vous vous exposez à des situations où vous allez pouvoir vraiment venir en aide. Des gens vont être attirés vers votre personnalité, vos expériences. Donc, j'espère que tous ceux qui nous entendent, vous continuez à y aller avec votre résonance. Voyez-vous, là, ici, il y a l'histoire d'Odile, c'est magnifique. Odile, est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à dire pour les gens qui t'écoutent? Ouais. Non, il faut juste que ben, les gens qui écoutent en parlent autour d'eux, parce que là, je vois cet homme, et il en a parlé à sa famille, et j'ai eu des retours, et maintenant, ils veulent aussi, tout le monde vient, je vais faire des listes, alors tu m'en ramènes pas trop, hein. Non, ce qui me manque, c'est la mécanique, hein. J'ai presque que des soins de longue durée, et j'ai très peu de... De soins de courte durée, c'est des fois qu'on reparlera, là, mais c'est de la mécanique. C'est juste que je vais te revenir là-dessus pour t'expliquer. Pas ici. Mais s'il y a des soins, les gens qui ont des soins de courte durée, par exemple, pour Odile, admettons, si Odile veut des soins de courte durée, c'est ce qu'elle privilégiait dans sa formule de stage. C'est par exemple, pour vous qui nous écoutez, vous avez un malaise pour l'estomac. Vous avez une inflammation, l'estomac, le côlon, les colons gauche, droite, l'œsophage, tout ce qui n'est pas, en fait, tout ce qui est une inflammation de type inflammatoire de moins de 2 ans. Des enflures subites, voyez-vous, des trucs légers, mais quand même qui dérangent, qui peut quand même déranger le quotidien, surtout si ça fait 1 an et moins de 2 ans que la personne vit avec cette problématique-là santé. Les problématiques de plus de 2 ans, c'est vraiment de la cristallisation d'une blessure dans la matière. On parle vraiment d'un stage de plus de 2 semaines avec des bilans aux 5 jours pour voir l'état des lieux. Mais pour les gens qui s'inscrivent, qui nous écoutent, qui se situent dans l'une des 2 catégories, tout ça va vous être très bien expliqué lors d'une rencontre avec une explication du protocole. Et vous allez me rencontrer, vous allez rencontrer la stagiaire, et puis à partir de ce moment-là, vous allez voir la suite du déroulement. Donc, merci beaucoup, Odile. C'est quand même félicitations. Et ça donne un très, très bel exemple des effets, des bienfaits et des effets du rayon. Une fois qu'on sait comment le maîtriser, comment il fonctionne et l'appliquer, les surprises pour le praticien sont tout autant grandes que la personne qui est exposée à ta intervention à distance. Donc, c'est vraiment ce que j'appellerais en bon anglais un win-win situation, en français, une relation gagnant-gagnant. Ici, on n'est pas, pour les auditeurs, on n'est pas dans l'énergie qu'on pourrait appeler astrale. Hein? Donc, encore là, pour resituer mieux cadré, ce sont des ondes scalaires. Donc, on n'est pas dans d'une énergie du milieu du domaine de l'astralisé. Alors, c'est très, très important là, que vous fassiez la distinction. S'il le faut, allez lire sur les ondes scalaires. Ce sont des ondes qui ont vu le jour grâce à Nikola Tesla. On les appelle aussi les ondes Tesla. Et je ne vous donnerai pas un cours sur les ondes scalaires, ce n'est pas l'objet de notre rencontre, mais allez vous informer des mots-clés dans vos recherches et suivez votre vibration. Il y a des textes qui vont être parfaitement adaptés pour votre compréhension et vulgariser sur ce que vous devez savoir. Et évidemment, quand vous allez lire ces textes, c'est certain qu'il va y avoir des questions qui vont venir à votre esprit comme « mais comment un médolo arrive à appliquer ça sur mon corps? » Et c'est là d'où l'objet de toute la méthode de la médecine holographique. Donc, c'est ce qui va vous être expliqué dans le cadre du développement et déroulement de la recherche, etc. Voilà.
Merci. Merci. De rien. C'est magnifique. Allez. Alors, je vais passer avec José et Louis. Alors, José et Louis, c'est... alors, juste ouvrir le son. Oui? C'est ouvert. OK. Alors, bonjour José. Bonjour. Bonjour Louis. Bonjour. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, José et Louis sont un couple dans la vraie vie. Eh oui, ils sont là, la caméra. Et donc, c'est très important que vous sachiez que vous allez, comme je disais, avec votre résonance. C'est un couple qui sont ensemble depuis très longtemps, qu'ils ont une belle famille, des grands-enfants. Et je vais vous laisser se les présenter eux-mêmes, mais simplement pour que vous compreniez que vous fassiez appel soit à José ou à Louis. Hein, ce sont quand même deux personnes distinctes, mais qui vivent dans un environnement de médecine holographique au quotidien. Donc, je vais les laisser s'expliquer, mais voilà. Donc, c'était mon introduction pour que les gens puissent comprendre bon, de quoi il s'agit avec vous deux. Donc, je vais commencer avec José, tiens. D'accord. Oui. Alors, moi, c'est José. Je suis maman de deux grands garçons adultes, grand-maman de deux petits garçons adorables qui font partie de presque mon quotidien. J'ai été infirmière pendant 30 ans, jusqu'à ce que j'en ai assez, que j'en ai assez vu pour dire je ne veux plus faire ça. Mais comme j'avais aucune idée de ce que j'allais faire, j'ai quitté complètement, mais je me suis retrouvée comme 9 mois à me demander ce que j'allais faire. Et finalement, j'ai fait un cours de réflexologie. Donc, aujourd'hui, je suis réflexologue. J'ai fait un cours de massothérapie et j'ai fait plusieurs formations là, depuis 2008. J'ai fait énormément de formations là, de tout ce qui regarde la médecine holistique, apprendre à se connaître, apprendre à connaître les gens, les aider, les accompagner. Donc, c'est mon travail depuis 2011. Okay. Donc, tout allait bien. Je travaille chez moi, mais je travaille aussi dans une clinique. Et puis, à un moment donné, ben, comme un peu tout le monde, ce que j'entends, c'est drôle parce que ça a comme été tout le tournant. Le confinement a fait qu'on s'est arrêté. Et puis, pendant ce temps-là, même moi, je me suis confinée plus longtemps parce que je n'ai pas recommencé quand les autres ont recommencé. Je n'étais pas prête parce que je savais même plus si ça me tentait de continuer ou pas. Je me suis dit, c'est-tu là que j'arrête? Puis finalement, ben là, on a commencé à me pousser un peu. Ben là, quand est-ce que tu recommences? On a besoin, peut-être. Fait que là, j'ai fait, bon, OK, mais il faudrait que ce soit mes conditions. Mais en même temps, je me suis dit, là, il faut qu'il se passe quelque chose d'autre. Il y a quelque chose qui me manque, moi aussi. Il me manque un petit quelque chose que je ne sais pas quoi, que j'ai comme perdu ma petite flamme. Là, là je me suis dit, ben amenez-moi quelque chose. Puis, ben je suis tombée sur une vidéo de Roxane qui a allumé la petite flamme qui était éteinte. Et puis, j'ai fait, OK, c'est là, on y va. Puis au début, si je fais un recul, je ne sais même pas si j'avais compris tous les tenants, les aboutissants, puis où ça allait vraiment, mais c'était comme, j'y vais. Puis petit à petit, avec les cours d'aquarelle, puis tout ça, ben là, plus ça avançait, plus là, c'était clair et net que c'était comme... Go, c'est ça que je veux, c'est là. Puis, ben, garde, jusqu'à maintenant, j'en suis très heureuse. Ça a été tout très positif. J'ai commencé, comme tu l'as dit tantôt, ben, tu sais, depuis qu'on a fait le cours, ben, on a commencé des participants avec des super beaux résultats. C'est vraiment extraordinaire. Fait que tout ce qu'on veut, c'est continuer, puis c'est pousser là-dedans le plus qu'on veut, puis qu'on peut. Puis, garde, ça sera un plaisir d'accueillir tous ceux qui seront partants pour nous accompagner là-dedans. Ah, mais c'est vraiment merveilleux parce que toi aussi, tu as un profil de vouloir aider, transformer, accompagner. L'humain, les matériaux humains, toi, c'est quelque chose qui résonne avec toi. Et je comprends aussi ce que tu dis, c'est que ton mental, il n'arrivait pas à suivre la proposition que je faisais.
mais c'était une question de résonance, donc magnétique, puis tu t'es fait confiance. Donc, évidemment, ça me touche beaucoup ce que tu dis, parce que les personnes qui nous écoutent, probablement, il va y en avoir des personnes comme ça qui vont se dire, mais comment le mental, il ne fonctionne pas. Là, j'y vais vraiment par résonance. C'est un coup du cœur, un élan. Aller vers. On ne comprend pas trop ce qu'on fait, mais c'est comme si on sait déjà que ça va bien aller pour nous, c'est bon pour nous. On est supposé de faire ça ou aider à la science, aider soi-même, parce que, c'est, comme je le disais, c'est vraiment une relation gagnant-gagnant. Ouais. Alors, il n'y a pas de perdant, c'est pas l'idée du jeu. Bien que la science, la recherche, on ne peut pas, comme toute forme de recherche, on ne peut pas garantir des résultats. Donc, il faut bien préciser également que pour tous les médolos, pour tous les cliniciens praticiens, ils sont, en fait, pour vous, les futurs participants, ils sont, tout comme vous, en train d'observer leurs travaux sur vous. Alors, ils peuvent donner des explications éducatives, faire des soins d'intervention à distance, mais il est bien important que vous sachiez qu'à chaque vendredi, si c'est des soins de longue durée, vous allez vraiment être en fait à l'affût, tout comme le praticien, de vraiment l'état de la transformation de la matière au cours des 5 derniers jours. Et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un processus qui se fait de part et d'autre et que, oui, le médolo, il peut vous informer des données passées sur ce type d'organe. C'est d'où la base de données, que chacun profite des expériences de l'autre, donc en bénéficie. Donc, par exemple, pour une surdité, il y a des gens qui arrivent sourds d'une oreille. Puis, j'ai eu ça aussi. Et après, c'était l'autre oreille, donc finalement, les deux oreilles. Et puis, c'était dans le bout de fin d'année 2021 ou début 2022, ça s'est fait en plusieurs phases. Mais la personne, je me suis amusée à dire que la personne elle s'est payée une paire d'horaires neuve, donc pour l'année 2022. Donc, c'est quand même incroyable, comme un genou neuf, ça y est, j'ai un genou neuf pour 2022. Maintenant, j'entends, donc il y a des gens qui ont des codes surdité pendant plusieurs années, portent des appareils, etc. Donc, je te remercie là, d'apporter aussi certaines nuances, comme ça, ça me fait aussi mettre des points sur les i, sur la pratique, de façon plus détaillée. Merci beaucoup, José. Alors, oui. Tous ceux qui veulent aller vers José, voilà, c'est José, retenez son nom. Bon, alors Louis. Salut Louis. Bonjour. Bonjour. Alors moi, c'est ça, c'est Louis. J'ai 68 ans. Oui. Et j'ai enseigné pendant 23 ans les jeunes, aussi les enfants. Oui. Donc moi, mon cheminement n'est pas vraiment thérapeute, sauf que dans ma façon d'enseigner, nous autres, on est des enseignants dans notre façon de pratiquer. C'est on ça, est des enseignants. C'est de l'éducation. C'est ça. Puis je me rappelle une anecdote j'ai été thérapeute à un moment donné parce que j'ai une élève de peut-être à peu près 7-8 ans. Elle est revenue de la récréation, puis elle avait les yeux rouges, enflés, puis ça lui faisait mal. Puis moi, j'avais eu le réflexe, j'avais dessiné un soleil vert avec des rayons. J'ai dit, là, tu vas regarder ça, puis imagine-toi que les rayons rentrent dans tes yeux. Au bout de 5 minutes, elle m'a apporté le carton, elle dit, c'est fini. J'ai dit, parfait. Alors, c'est ça. Fait que là, moi, j'étais à ma retraite et puis j'ai quand même, depuis tout jeune, je me suis toujours intéressé à l'invisible. Puis j'ai toujours été conscient de qu'il y avait la partie invisible était beaucoup plus grande. Puis qu'on était aussi beaucoup plus qu'un corps physique. Alors. Et aussi, si tu me permets, c'est que pour que les gens puissent apprendre à mieux te connaître, c'est que tu es musicien. Donc, oui. La musique, c'est vraiment c'est vraiment de la vibration. Donc, c'est aussi l'ouverture d'esprit, c'est l'accueil des idées nouvelles ou des problématiques nouvelles également. Donc, déjà, tu es à la fois dans l'invisible avec le son depuis des années, le son te berce. Exactement, oui. Oui. J'ai fait toutes sortes d'expériences aussi avec les sons qui ne sont pas de la musique, mais ça, c'est... Dans la matière. Dans la matière, oui. Ouais. Alors, c'est donc, ça. En gros, moi, c'est ça. Puis moi, je suis intéressé là, à aider les gens. Oui, oui. Quand tu prends quelqu'un, là, tu sais, ça y est, tu vas jusqu'au bout, juste avant qu'il y ait des résultats. Puis, J'ai eu des bons résultats avec ma famille. Là, j'ai... Oui, ouais. Tout à fait. On,
quand on le fait, on ne le croit pas, pas au début. Oui. On se dit, qu'est-ce que je fais là? Puis maintenant, c'est pour ça que ça fonctionne. Là, on y croit. On y croit parce qu'on attend que ça plante, mais ça ne plante pas. Non, c'est ça. C'est juste le cerveau qui ne suit plus. C'est comme on est à côté de soi-même. On se regarde. Ah oui, ça a fonctionné. Ah ben dis donc. Donc, ça fait construire la confiance et puis la recherche et puis même les participants aussi. Ça va de part et d'autre parce que c'est vraiment le déconditionnement puis c'est l'application d'un nouveau système de croyance, mais vraiment qui fonctionne. Donc, c'est certain, il faut se donner ce temps-là d'intégration. Puis moi, ce que j'aime, c'est que ça nous permet, je trouve qu'il y a un avantage à ça, parce que ça nous permet de tenir rien pour acquis, de toujours être en émerveillement, à la fois pour le participant que pour nous, et de nous donner cette flamme, ce spark-là, ce petit quelque chose qui n'arrivera pas à bout de nous mettre dans un état d'être blasé. On peut être blasé dans des pratiques de nos métiers dans la vie. À un moment donné, on peut passer des phases comme celle-là, mais la médecine holographique, pour l'avoir pratiquée là, depuis quand même quelques temps avant de m'avoir annoncé à l'humanité en 2021, depuis une dizaine d'années, c'est quand même beaucoup. Pas de la manière dont je le fais aujourd'hui, pas de la manière dont je l'ai présenté en 2021, mais plus pour tester, test-erreur, essai-erreur. Moi, je l'ai fait parce que j'y croyais pas. Moi, j'y croyais pas moi-même. Et puis, j'attendais toujours que ça ne fonctionne pas, que ça plante, comme on dit. Mais ça ne plantait pas. Et c'était dans le cadre de mes recherches scientifiques au doctorat, lors de ma scolarité doctorale. Donc, c'était aussi mon objet de recherche sur la conscience, quels sont les effets de la pensée sur la matière. Mais je vous jure que j'ai tout fait pour que ça ne fonctionne pas. Parce que si, vous comprenez, s'il fallait que j'engage un cursus de cet ordre, de cette grandeur-là, il fallait que je m'assure que j'allais... Que j'allais avoir des résultats. On ne veut pas faire une recherche qui ne fonctionne pas, bien que quoique ça aussi, c'est possible. Ça peut être des questions de recherche où est-ce qu'on conclut à la positive ou à la négative, à la toute fin, mais moi, j'avais envie d'avoir un résultat. Mais finalement, tout a bien trop fonctionné. C'est à tel point que ça m'a déstabilisé et je me suis tue et j'ai fait le sous-marin pendant 10 ans. Donc, c'est quand même ça, la réalité du mental bien conditionné et surtout pragmatique et cartésien. Donc, voyez-vous, là, vous avez de tout, hein, pour les gens qui nous écoutent. Vous avez de tout ici, toutes sortes de mindset, hein, d'état, de façon de voir le réel. Et merci beaucoup, Louis, de partager aussi corde à ton arc, hein, celle de la musique et tout ce que tu as dit précédemment. Alors, je te souhaite que tout le monde, voyez, c'est Louis, alors vous voulez jaser de d'autres choses, comme avec tous les autres thèmes, allez vers Louis, donc prenez-le en note, voilà. Merci. Merci beaucoup, Louis. Merci, José, également. Merci à toi. Merci à vous deux. Alors, je vais poursuivre. Attendez, je suis rendue à Antoinette. Antoinette. Bonsoir, je suis Antoinette. Alors, j'ai une très mauvaise connexion. Parfois, l'image s'arrête, donc ça risque de couper. Je n'en sais rien, on verra. J'espère que non. Ça va bien, là, ça va bien. Ah, ça va aller, très bien. Alors, donc moi, depuis toujours, en fait, je me suis intéressée à la spiritualité de toute petite. J'étais tournée tout le temps vers la spiritualité et très sensible donc vers la souffrance des gens. Ouais. Quand je voyais les personnes handicapées, les personnes qui souffraient, tout de suite mes pensées partaient vers la spiritualité et sans savoir pourquoi, je m'adressais au Christ. Et j'ai demandé de l'aide pour venir les aider, pour les soigner. Voilà, c'était mon truc à moi. Ouais. Voilà. Donc, mais en même temps, je me sentais un petit peu décalée par rapport aux gens, parce que les gens me fascinaient malgré tout. Je les regardais, je les observais. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adorais les observer. Les gens me fascinaient. Si bien que mes parents me disaient, mais arrête d'observer les gens comme ça, tu fais une fixation. Mais j'adorais, ce n'était pas quelque chose de méchant, c'était parce que ça me fascinait. Voilà. Donc ça, c'était quand j'étais petite. Et puis, ça a continué. Donc, j'étais petit à petit, j'étais toujours dans la recherche de la spiritualité, de qui je suis, qu'est-ce que je fais sur Terre, toutes ces questions. Oh, oui. J'étais habitée par ces questions.
Et puis, donc, j'ai grandi tout ça et j'ai travaillé, donc, ma première partie professionnelle, j'ai travaillé dans une société d'optique scientifique pour la recherche. Donc, on fabriquait des systèmes optiques pour le spatial, le nucléaire, l'armement, tout ça. Et, oui. Et donc, en fait, j'aimais beaucoup ce travail parce que ça demandait beaucoup de précision, de minutie. Et donc, parce qu'on fabriquait des systèmes qui partaient dans l'espace pour explorer l'espace. Et c'est drôle parce que j'ai fait le parallèle avec la médecine holographique aujourd'hui. Donc, j'étais déjà dans les franges de Newton. Et donc, je mesurais des pièces, des miroirs X. Et en fait, mon travail consistait vraiment à faire la géométrie des pièces. Wow. Ça me passionnait, tous ces calculs, ça me passionnait. Donc, aujourd'hui, je me dis, tiens, c'est pas par hasard que tu es passé par cette phase de professionnelle. Donc, j'avais déjà un pied dans la physique. Tout à fait. Voilà. Wow. Et puis... donc, le temps passant, j'étais toujours quand même à la recherche qu'est-ce que c'est l'être humain. Et ouais. Parallèlement, pendant que je travaillais, je me suis formée. Donc, j'ai passé des années à me former. Hein. Parce que je faisais ça en week-end, mais ça a duré des années. Donc, j'ai commencé une première formation en mémoire cellulaire que j'ai enchaîné ensuite une formation en médecine traditionnelle chinoise. J'avais une soif de connaissances, d'apprendre les énergies, tout ce monde invisible. Ouais, c'était vraiment quelque chose qui m'attirait. J'étais assoiffée de connaissances. Ouais. Et puis, j'ai continué sur une autre formation sur 6 ans encore pour être enseignante en art énergétique en Qigong. Ah oui. Et donc, en 2006, j'ai quitté mon travail que j'adorais. Je me suis installée en tant que thérapeute. J'ai passé mes diplômes et je me suis installée en tant que thérapeute. Voilà. Et là, donc, et enseignante en Qigong. Et je travaillais énormément. Donc, je faisais des soins, j'intervenais dans les écoles pour les enfants, j'intervenais dans un centre de malades pour les cancers et je me suis épuisée. Suite à cet épuisement, je suis tombée. Donc, pour en revenir, pourquoi je suis, qu'est-ce que c'est qui a déclenché la motivation pour être dans cette formation? Donc, je suis tombée et je me suis brisée le coude. Donc, ce n'était pas une simple fracture, mais ça a été vraiment le coup d'un miette, quoi, un miette, un morceau. Donc, plusieurs opérations, beaucoup de souffrance et de douleur. Et en fait, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est ma pratique de Qigong. Parce que j'ai travaillé beaucoup sur moi, par la visualisation, par les méditations, et notamment dans les mouvements, ce qui m'a permis d'avoir une rééducation dans la douceur. Et quand même, j'avais des douleurs. Et donc, là, j'ai fait beaucoup de recherches sur Internet. Donc, je me suis fait aider par l'hypnose, évidemment, par l'hydrothérapie, par des tas de, voilà, d'autres approches, et même les ondes scalaires. Avec machine. Jusqu'au jour où je tombe sur Roxane, évidemment. Je faisais des recherches. Et donc, je tombe sur Roxane avec Nicolas. Et quand je l'écoute, donc, je dis... waouh, mais c'est ça qu'il me faut, c'est ça que je cherche. L'esprit qui peut agir sur la matière, mais c'est ça. Mais c'est vrai que j'avais regardé beaucoup de conférences sur la neuroscience, sur la physique quantique, donc voilà. Et quand je t'ai entendu, donc du coup, je me suis dit, mais c'est ça qu'il me faut. Et ça a été le déclencheur pour que je vienne vers toi. Donc, j'ai téléphoné à Roxane pour prendre rendez-vous pour des soins. Et donc, j'ai reçu des soins de Roxane pendant 30 jours, ce qui m'a fait énormément de bien au niveau douleur, parce que c'était les douleurs chroniques qui étaient difficiles à gérer. Et donc, ça m'a beaucoup soulagée. Et ensuite, donc, quand je vais voir mon chirurgien, ça, il faut que je vous le dise, mon chirurgien, donc, lui, il n'en revient pas parce qu'il me dit, votre bras, c'est un miracle. Ah bon?
Il me dit, votre voix, c'est un miracle. Ah oui, j'ai dit, ah bon? Quand on sait ce qu'il y a dedans et quand on voit comment est-ce que vous l'utilisez, on n'a pas envie de le toucher. C'est-à-dire, parce que moi, je me dis, enfin, là, ça va beaucoup mieux, hein, avec mes douleurs et tout, on pensait me mettre une prothèse. D'accord? Il me dit, non, on ne touche pas. On laisse comme ça, parce que vu comme vous l'utilisez, c'est un miracle. Je vous conseille, me dit, je vous suggère d'aller brûler les cierges à la Sainte, à la Sainte Vierge à Marseille. Sérieusement? Il a dit ça? Il a dit ça, sérieusement. Parce que des cas dans votre cas, c'est-à-dire une personne comme vous, ils ont le bras bloqué, ils ne bougent pas, alors que moi je bouge, je fais tout, quoi. Ben oui, je vois bien. Wow. Voilà. Et donc, suite à ça, eh bien, j'étais vraiment motivée pour faire cette formation. Vraiment, cela, ça résonnait à moi. Déjà par rapport au parcours que j'avais, ouais, et ce que j'avais envie de faire, quoi, par la suite. Continuer dans les soins, mais différemment. Voilà. Voilà mon histoire. Wow. Et j'espère que ça va aller. Ah, mais je crois que ça va aller. Je ne savais pas, je ne connaissais pas les résultats. Je l'apprends en live, comme tout le monde. Je suis bouche bée. Je suis bouche bée. Je sais que... je suis bouche bée, je balbutie. c'est... Quelle belle surprise. Vraiment, merci beaucoup d'avoir fait le lien entre ta première partie de vie, et puis de montrer aussi ton intérêt pour la matière et à la fois les humains. Et maintenant, ce que je comprends bien, tu allies les deux, tu fais l'alliage des deux, et tu produis des données, et tu traites de la donnée, et tu fais avancer la science, mais aussi par l'expérience de ton coude, qui n'est quand même pas rien, avec des douleurs chroniques qui vraiment t'empoisonnaient la vie. Et là où tu commences à vraiment à tout faire autrement, à développer aussi ta compétence et que les gens, en fait, qui vont venir vers toi vont connaître vraiment ce pourquoi ils viennent vers toi. Et à chacune des personnes ici, vous êtes tous des profils, il y a des gens qui vont se retrouver en vous. Alors, c'est Antoinette, vous savez où la rejoindre, c'est Antoinette, je vais vous donner tantôt les coordonnées, mais c'est vraiment important que vous y allez toujours avec votre cœur. Merci beaucoup, Antoinette, c'est très enrichissant d'apprendre tout cela. Je pense que tu es ma cerise sur le sundae, parce que je crois que j'ai passé tout le monde, et c'était non la moindre. Oui, j'ai vraiment présenté tout le monde. Alors, je vais revenir au début, merci Antoinette. Je vais revenir en début, voilà. Donc, maintenant, c'est le moment justement de savoir comment procéder. Vous avez vraiment entendu les stagiaires, vous avez entendu leur histoire, vous avez entendu leur déclencheur, leur coup de cœur, pourquoi ils sont là et de quelle façon, en fait, ils ont envie d'exercer cette nouvelle technologie, cette compétence à travers l'humanité. Entre les continents et autres, plusieurs continents, ou bien dans justement des villages, mais jamais en présentiel, jamais de présence en présence physique, toujours à distance. Donc, on ne rencontre pas un participant dans une pièce. Hein? On n'est pas des médecins. La médecine classique fait très bien ce qu'elle a à faire. Et la médecine holographique, elle est là aussi pour faire très bien ce qu'elle a à faire, mais à distance, en complément avec la médecine classique. L'un et l'autre ne sont pas opposés. L'un et l'autre apprend de leur chemin. Et ça, c'est très important de ne pas mettre en porte-à-faux ou en dichotomie, hein, ces approches mécanique du corps. Et quand on a besoin d'un médecin de la médecine classique, il y a plein de choses, on en a besoin, c'est très important d'aller le voir. Il faut comprendre ça aussi. Donc, chacun a ses forces et ses limites. Il faut bien les comprendre. Donc, c'est le but là, de ce message. Vraiment, quand vous allez rentrer en communication avec un stagiaire, ben, préparez déjà quelques questions que j'imagine que nous vous avons soulevées aujourd'hui. Et c'est le but d'avoir un échange, d'échanger, d'avoir une relation gagnant-gagnant. Alors maintenant, on est à l'étape de donner les coordonnées. Alors,
pour rejoindre une personne qui, avec qui ça a résonné, je vous suggère en fait les choses suivantes. De m'écrire à l'adresse très simple, Roxane, R-O-X-A-N-E, point Goodside, qui est le G-U-T-Z-E-I-T, à commercial@gmail.com. De me mettre dans le titre du courriel, demande de soins, stage et tirez le nom du stagiaire avec lequel vous voulez être associé. Très important comme libellé. Comme ça, je vais pouvoir les classer et les acheminer aux bonnes personnes. À l'intérieur de votre corps de texte, j'ai besoin que vous vous, vous présentez bon, votre pays, la région, simplement Europe, France, Belgique, voyez-vous, et que vous me dites, ou en fait, vous me partagez, si c'est possible, trois cibles. Trois cibles, pourquoi? Parce que je vais être en mesure d'évaluer par ordre d'importance, d'une part, l'amplitude, l'ampleur des travaux à effectuer pour la recherche et surtout pour pouvoir proposer aux stagiaires un choix également de ce que le stagiaire compte bien effectuer comme travaux auprès de vous. Alors, et puis si c'est des cas qui ne sont pas encore répertoriés, parce que tout est à ouvrir comme champ dans notre base de données, évidemment, vous allez en être informé. Pour les cas qui sont répertoriés, les cas, c'est-à-dire les problématiques, les cibles de santé, évidemment, on va être capable de vous expliquer un petit résumé des travaux qui ont été effectués au cours de l'année et demie sur cette cible-là précise pour vous donner une idée de grandeur des travaux de la constitution de la matière, donc des tissus. C'est très important que vous puissiez donner ces informations-là, comme ça, ça va nous permettre de vous mieux vous situer et puis mieux traiter votre demande. Alors, par la suite, qu'est-ce qui va arriver? Une fois que le contact va être établi, nous allons rentrer en communication ensemble par trio, c'est-à-dire qu'il va y avoir le stagiaire choisi, vous et moi. On va se créer un espace comme un chat dans Messenger. Donc, on se rejoint par Messenger en premier. Je crée le groupe avec votre nom. Et c'est là qu'on fait pour la première fois connaissance par caméra Messenger, caméra vidéo Messenger. À ce moment-là, évidemment, le stagiaire va écouter, en fait, la façon dont va se dérouler le protocole, la façon dont je vais vous rencontrer, va prendre des notes, n'est-ce pas? Va beaucoup être dans l'observation pendant les premiers temps. Et petit à petit, en fait, il va interagir avec vous. C'est toujours le stagiaire avec qui vous devez toujours, poser les questions et non pas à moi, parce que moi, je vais me retirer à titre de rôle d'observateur. À un moment donné, on va échanger les rôles quand je vais sentir que le stagiaire est vraiment très à l'aise avec vous. Puis selon les questions posées, n'hésitez pas, parce qu'il est là pour ça, il est sous ma supervision, pour que vraiment ça se passe bien dans sa vie quand son stage va être terminé. Il ne sera pas surpris, étonné des questions, l'ampleur ou l'échelle des questions que vous aurez à poser, parce que tout le monde est très conscient que c'est un nouveau, une nouvelle façon de penser, puis un nouveau paradigme. Donc, c'est tout à fait indiqué que vous ne compreniez pas certaines choses, malgré le fait que j'ai expliqué, mais quand on rentre dans la pratique, vous allez, ça va vous soulever aussi d'autres formes de questionnement. Et donc, c'est toujours, votre référence, c'est votre stagiaire, la personne choisie, et moi, je vais observer au quotidien les échanges d'échelle, de mesure, les rapports d'auto-évaluation. Alors, on vous expliquera de quoi il s'agit. Il y a beaucoup de chiffres, c'est tout ce que je peux vous dire, mais c'est très simple. Et que, attendez-vous à être actif, à nous fournir une auto-évaluation au quotidien. Tout à fait simple, ça prend 5 minutes, même pas de votre temps au quotidien. Donc, c'est-à-dire que vous et votre stagiaire et moi en observation, vous allez faire partie de nos vies. Hein? Pendant 5 jours, on va vous amener partout, alors que ce soit en Europe, au Québec, que je vais au marché, que je vais, peu importe où je vais, en voiture, j'ai toujours le cellulaire, j'ai toujours le groupe, donc on répond vraiment en temps réel. Pour les décalages horaires avec l'Europe, il n'y a aucun souci, c'est très bien fait. Pendant que je dors, vous êtes actifs. Alors, à ce moment-là, vous me fournissez déjà vos données de votre auto-évaluation. Et donc, vous pensez à moi pendant votre, plutôt au stagiaire, pendant votre café et votre petit déjeuner.
Et par la suite, pendant l'heure de mon éveil et le déroulement de votre journée, ben, j'arrive à bon port, c'est-à-dire que vous avez le temps de faire votre journée plutôt que le stagiaire arrive, encore une fois. Et donc, voyez-vous, c'est pas accaparant du tout. Vous ne devez pas arrêter vos activités, vous n'arrêtez pas vos activités, vous continuez votre vie comme vous la faites en ce moment. C'est juste se donner un point de contact une seule fois par caméra, messenger, vidéo. Une seule fois. Par la suite, ce ne sont que des échanges écrits sur le groupe avec des auto-évaluations qui s'échangent que le stagiaire vous expliquera. D'accord? Donc, c'est tout, pour faire tout simple, on va aussi vous faire signer un protocole d'éthique et de consentement, que ceci est vraiment une recherche et que vous prenez acte que ce n'est pas un acte médical et qu'on respecifie les termes et les principes de la médecine holographique et ce en quoi vous vous inscrivez, donc dans le cadre du développement d'une recherche de la science post-matérialiste pour l'avancement des connaissances de l'humanité. Évidemment, vous allez avoir des impacts, vous allez avoir des effets, sauf que le stagiaire et moi, nous ne connaissons pas les effets parce que chaque personne est unique. Donc, ne pas oublier qu'on est toujours dans un rôle d'observation et que nous colligeons les données au fur et à mesure. C'est certain qu'après avoir vu plusieurs cibles, en fait, toujours la même cible de plusieurs personnes différentes, on commence à voir des tangentes de comportement de déconstruction et de reconstruction de la matière. Mais chaque personne est unique, elle est traitée dans ce sens-là également. Maintenant, je vous invite par la suite à visiter pour les gens qui veulent avoir un complément d'information. Peut-être qu'il y avait des termes qui étaient beaucoup nébuleux, nouveaux. Alors, je vous invite sincèrement à aller sur ma chaîne Aquarelle Science YouTube. Elle est en ligne et donc vous allez retrouver les entrevues phares de l'année 2021. Donc, je crois que une de mes entrevues phares, c'était au mois de mars 2021, une autre au mois de juillet 2021 et une autre, je crois, au mois d'août, mais sans embâge et sans détour. C'est l'entrevue du 20 novembre 2021 où est-ce que je parle vraiment de l'avancement des soins de longue durée et d'intervention à distance. Et là, on arrive avec une première mouture de données de recherche, chose qui n'avait jamais été faite auparavant. On ne savait pas comment un organe X se comportait sur un soin de longue durée de 6 jours et plus avec des évaluations à chaque vendredi. Maintenant, pour justement vous inscrire en tant que stagiaire et démarrer le processus ensemble, puis d'évaluer aussi, on va vous donner, le stagiaire et moi, on va vous donner une évaluation, à savoir dans un premier temps, est-ce que cette cible-là est déjà traitée? Si oui, voici les données actuelles, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très important, une évaluation rapide, bien que chaque cas est unique, vous savez, mais ça va vous donner une idée du processus, les attentes, la gestion des attentes, comme ça je l'appelle. Et évidemment, on va par la suite, comment puis-je dire, faire le couplage, le match, hein, des agendas. Et donc, il faudrait nous donner quelques semaines. Dès que vous allez m'écrire, je vais faire un OK. OK, c'est bien reçu, mais je vais vous revenir. Okay, vous allez être colligé, je vais informer toute l'équipe, les stagiaires. On va s'organiser à l'interne, puis vous allez voir, assez rapidement, on va prendre contact avec vous. Il faut aller sur le site aquarellescience.com. Et pour s'inscrire, il faut aller dans l'onglet « Programme éducatif » et sur cette page, vous allez voir « Connexion, reconnexion quantique ». Donc, vous allez à cet endroit, vous réservez votre place à cet endroit et à partir du moment que c'est fait, vous m'avisez, soit par écrit ou que déjà dans le libellé que je vous ai demandé, vous dites que c'est déjà fait. Si ce n'est pas déjà fait, simplement me dire que, je sais pas, que ça va se faire ou que vous avez l'intention, vous avez bien compris la démarche à suivre. Maintenant, plus d'informations vous seront données en détail à partir du moment qu'on prend contact ensemble et qu'on reconstruit avec joie et bienveillance une bonne partie en fait, d'une cible que vous voulez travailler. Il y a des personnes peut-être qui veulent travailler plusieurs cibles. Mais on va d'une cible à la fois. Pourquoi? Parce qu'il y a un taux d'efficacité très élevé. Que si on travaille 4 cibles en 5 jours, en 10 jours, en 25 jours, en 30 jours, j'ai remarqué par les études que j'ai faites l'année dernière sur le sujet qu'il y avait un taux d'efficacité
qui était à ma moindre satisfaction. C'est-à-dire que je vise rien de moins le succès. Donc, on a en fait la même cible, vous et moi. Vous voulez guérir, ben, on ne peut pas dire guérir, mais vous voulez ne plus avoir mal, vous voulez avoir, vous voulez cesser une problématique santé qui dure depuis des années. Donc, vous voulez un soulagement, plus qu'un soulagement, une reconstruction. Alors, moi, ce que je veux, c'est des résultats de recherche. Et mes stagiaires, c'est ce qu'ils veulent également. Donc, on regarde, dans le fond, dans la même direction, mais pas dans la même perspective. Mais tous les deux et les trois, on est vraiment dans cette démarche d'avoir des résultats. Donc, voyez-vous, c'est des perspectives de recherche, c'est des perspectives à la fois éducatives, c'est très humain aussi comme façon d'échanger ensemble pour parce qu'on a le souci de ne pas vous laisser comme ça sans réponse, sans voix à vos questions. Donc, sachez que l'approche, comme vous pouvez voir, c'est des personnes ici qui sont très empathiques et qui ont associé le cœur de la transformation de l'autre et la démarche. Et sachez que je crois que vous allez être vraiment entre bonnes mains avec les stagiaires de la médecine holographique. Alors, ceci m'amène vraiment à terminer cette rencontre, cette première rencontre. Elle va être aussi sur mon site web, aquarellescience.com. Et revisitez-la s'il le faut. Prenez le temps de réfléchir pour d'autres, ou bien ne réfléchissez pas et allez-y avec votre cœur en résonance avec la personne avec qui vous aimeriez beaucoup travailler. Je peux vous dire que chacune des personnes qui sont ici, ce sont toutes des personnes qui ont déjà beaucoup de résultats, comme vous avez déjà entendu dans chacun des témoignages, dans leur histoire, leur démarche. Ce sont des personnes qui ont des résultats et plus qu'un. Donc, je ne suis nullement inquiète du taux d'efficacité sur la pénétration du rayon des ondes scalaires sur votre corps. Maintenant, il s'agit de type de blessure, c'est son taux de cristallisation. Plus ça fait longtemps, plus c'est difficile de déconstruire pour reconstruire la matière. Simplement, gardez ça en tête. Donc, évidemment... le plus de gens que vous êtes, le mieux que c'est. Je vous remercie au nom de tous les stagiaires de votre présence, de l'avancement pour l'humanité. Vous ne faites pas juste ça pour vous et ni pour la stagiaire. Vous faites ça aussi, et surtout pas pour moi, vous faites ça pour l'avancement de l'humanité. Vous faites trois pierres, un coup. Habituellement, c'est une pierre, deux coups. Alors, c'est ce que vous faites. Vous faites déjà un geste exceptionnel pour des gens qui vont agir de manière exceptionnelle sur la planète Terre. Sans plus tarder, je crois que c'est le moment de se dire au revoir et je remercie très fièrement, je lève mon chapeau à tous mes stagiaires, mes premiers, mes plus importants, ceux que je vais parler plusieurs dizaines d'années ultérieurement. Je vous remercie également d'être là, d'avoir pris le courage, la parole, votre courage à deux mains, de vous assumer sur la planète Terre et de vous dévoiler, ce qui m'a pris 10 ans. Je vous trouve très bon et très rapide. En fait, l'élève dépasse le maître et c'est ce que je souhaite. Et c'est déjà bien parti. Alors sur ce, retenez les participants, les courriels, le courriel, revisionnez la vidéo s'il le faut, allez sur la chaîne Aquarelle Science, allez sur le site web, la démarche est très claire. Dès que j'ai votre nom, il y a un contact rapide qui va se faire en temps réel. Puis après, vous allez me laisser le temps de vous revenir selon les agendas respectivement de tous et chacun. Donc, sur ce, merci. Je vous souhaite bonne chance, tous les stagiaires. Merci d'être là. Et à vous, chers participants, participantes, un milliard de merci d'être là et de vous manifester. Je vous embrasse. Au revoir.